Bonjour à tous, bienvenue pour mon épisode 13. Aujourd'hui, match de championnat, 10e journée de match de championnat où Anderlecht, mon équipe, donc je joue en mode entraîneur, recevra le 4e du classement, le FSV Samtonburg. Vous voyez que nous avons 78 contre 75, donc normalement. Nous sommes les plus forts sur le papy, mais comme pour le moment, je ne fais que des matchs nuls, toujours 0-0. Alors, nous sommes classés 11e de ce championnat et nous jouons donc contre le 4e du classement. Dans quelques instants, la composition des deux équipes. Voici la composition donc des deux équipes. Nous allons commencer tout d'abord par Anderlecht, donc l'équipe à domicile. À l'attaque, nous avons à l'aile droit, nous avons le numéro 11, Edmilson. À l'aile gauche, le numéro 9, Mathias Suarez. L'avant-centre, le numéro 45, Mitrovic. Milieu offensif, attaquant aussi, le capitaine Deuze, le numéro 6. Alors, toujours dans le milieu de terrain, nous avons le numéro 39, Anthony Vandenborre. Donc à l'aile droit et à l'aile gauche, nous avons le numéro 31, Tielemans. Alors, en défense, à l'aile droite, nous avons le numéro 30, Guillaume Gillet. À l'aile gauche, nous avons Olivier Descat, le numéro 3. Et puis, nous avons le numéro 16, Kouyaté. Et le numéro 35, Edurard. Et enfin, dans les goals, le numéro 1, Silvio Proto. Nous passons maintenant à l'équipe visiteuse, donc le FSV Samtonburg. Alors, à l'attaque, le numéro 10, donc à l'aile droit, Zach Butt. À l'aile gauche, le numéro 25, Stanku. Le numéro 9, donc milieu offensif, Altolman. Alors, au milieu de terrain, à l'aile droit, le numéro 26, Holcomb. À l'aile gauche, le numéro 4, Ersten. Alors, le numéro 24 dans le milieu, le capitaine, Zimling, le numéro 6, Münsten. Alors en défense, à l'aile droit, numéro 3, Inguskulger. À l'aile gauche, numéro 5, Jungerstorv. Le numéro 2, Rotsteist. Un drôle de nom. Et enfin, dans les goals, le numéro 1, Enneling. Et voilà, dans quelques instants, le match par les commentateurs du jeu, donc les commentateurs français. A tout de suite pour le match. Dernier moment.
Tabouit. Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Mathias Suarez. Tilling. Bogdan Stankou. Elle est difficile cette passe pourtant.
l'ouverture vers le poteau de corner. Allez, ça peut faire mal. Il se reprend tout de suite. Au tour du gardien de jouer. On approche le dernier quart d'heure. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Savoyt. Elle aurait dû faire mal, cette passe. Mais quelle interception! Mathias Suarez. Ah non, c'est perdu. Longue ouverture. Moins de 5 minutes avant la fin du match. C'est bien, il faut tourner. Anderlecht, il y a peut-être là une dernière occasion dans cette rencontre. Mathias Suarez, dans le dos de la défense. Une minute de temps additionnel. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Des points précieux qui s'envolent, compteront-ils en fin de saison? En attendant aujourd'hui, ils se battent. De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football. Merci à vous, Darren. C'est terminé pour cet après-midi. On se retrouve très vite. Et oui, donc défaite de mon équipe 0-2, donc ça se complique dans ce championnat. Alors voici les résultats donc de cette 10e journée. Wondengington contre White United 2-0. Le KS Zlewos contre le CS Skwanoer 0-1. Jorudberg contre Gonzo Ratio 2-0. Anderlecht contre le FSV Samtonburg 0-2, vous venez de le voir à l'instant. Le FK Oderstreich contre Joachnart VV 0-2. On a la suite de ces résultats. Alors le KVC Merkurgort contre le SD Katzola 0-1. Le SC Jolen Sianiku contre le CD Ralton Vegua 0-1. Le AC Nitsaloskis contre le SC Nortovka 2-0. Et PES United contre le Sirspor 0-1. Dans quelques instants, le classement. Voici le classement de cette 10e journée. Donc premier, Ratton Vegu avec 19 points. Deuxième, White United 18 points. Troisième, PES United 17 points. Quatrième, le FSV Samtonburg 17 points. Cinquième, le SC Skanoer 15 points. Sixième, contre le Sirspor 15 points. Septième, ST Katzola 14 points. Huitième, Jorudberg FF 14 points. Neuvième, Wondengington 14 points. Dixième, Gonzo Ratio 13 points. Onzième, Joalansianiku 13 points. 12e, Joachnart VV 12 points. 13e, le KVC Merkurgort 12 points. 14e, Anderlecht 11 points. 15e, Nitsaloskis 11 points. 16e, le FC Nortovka 11 points. Et ferme la marche, 17e place, le FK Oderstech 7 points. Voilà, je vous dis à plus pour mon prochain épisode. Bye bye.